Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est sur Brawl Stars. Et comme vous avez vu, on va faire aujourd'hui le gameplay du coup de notre cher brawler Brock. Donc, on l'a au rang 14 à 263 trophées sur 300. Et niveau du pouvoir, niveau 6. Alors, ses attaques sont plutôt puissantes. On pourrait très bien attaquer de proche ou de loin. Il fait 1355 dégâts par roquette. Il a une portée très très longue. Et le vitesse de rechargement, ce qui est un peu dommage, est lente. Donc on aura plus de mal à jouer si on décharge toutes nos munitions. Alors son super pouvoir, c'est puits de roquettes. Il fait plus de 9 fois des roquettes à 1300 de dégâts et portée très longue aussi. Et assez intéressant à jouer. On n'a pas encore reçu donc les gadgets, qui est Brock lacet à fusée. Donc détruit le sol sous ses pieds et se propulse dans les airs. L'explosion inflige 500 points de dégâts aux ennemis à proximité avec 3 charges. Donc on va le choisir et on va le jouer tout simplement en solo, en survivant. Et après on verra si on fait un petit broball ou pas avec. Let's go. Pour voir un petit peu son efficacité en broball. C'est parti. Du coup on commence ici. Comme on voit, on fait du 1375. Tac, on va essayer de chercher directement le bar tabac par le haut. Hop hop, est-ce qu'il y a moyen de le chercher? On va essayer de l'avoir. On va essayer de l'avoir de loin. Dommage. On va aller récupérer vite nos énergies par le bas. Ce qui est bien, c'est qu'on peut tirer de vraiment très très loin. On va quand même toucher nos cibles. Hop là, let's go. 1512. C'est plutôt cool pour le bush. Oula. Faut savoir faire un mini pré-shot par contre. Oups. Si on tombe contre des joueurs qui savent bien jouer. Oups. Là on va, la recharge est assez lente. On continue à charger notre super. On va essayer d'avoir là. La Shelly dans notre sillage. Ah dommage. On a été un petit peu trop avide du kill. On va remarquer que la recharge du brawler de Brock de ces munitions sont assez désavantageuses pour nous. Même s'il a une portée très très longue, on va essayer de s'adapter à son gameplay. Parce que pour l'instant, j'ai toujours eu l'habitude de jouer avec des brawlers qui ont des portées plutôt courtes. De se cacher un petit peu afin de pas trop souffrir de ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oups. Allez, est-ce qu'on va l'avoir? Un pré-shot. Nice, on a réussi notre pré-shot. Enfin, on a réussi. Mince, notre shot a mal été lancé. Ouh, le brawler là, notre El Costo qui prend trop de force. Ok, El Poco qui va se faire mal peut-être. On va quand même réussir à être prêt. Les énergies, on va rester là. C'est le Poco. Nous, on arrive à faire du 2000 de dégâts, c'est vraiment pas mal. On a touché, on lance notre super qui touche aussi. Et le super et la dernière attaque qui nous fait gagner enfin ce magnifique top 1. Nickel ça. On part directement en Brawl avec notre fameux Brock. On va essayer de réaliser un maximum de dégâts. Hop. Notre super, ça va, ça passe. Attention, le Frankenstein qui va passer bientôt. Ah, dommage. Ouais, on peut mieux se concentrer.
super qui passe. Les dégâts, oulala, on s'est fait one shot. Je ne suis pas sûr que Brox soit le meilleur brawler à utiliser Ombre Ball. Même s'il peut faire très très mal. On va essayer de faire de bonnes pré-shots. Ok, c'est bon. On va utiliser notre super pour casser le maximum de briques. Ah, dommage. On va essayer de tuer tous les brawlers. On va essayer de mettre une protection avec un pré-shot pour le max. Ah, nice. Et premier goal, ça c'est plutôt cool. Let's go. Oups, notre super qui a été lancé, dommage. Ok, ben ils ont réussi à le tuer. Oups, ouh, la dernière flèche qui a réussi à nous avoir. Je ne suis pas sûr que le brawler Brock soit très efficace en... En tout cas, personnellement, je ne suis pas le plus fan, étant donné qu'il est assez lent au niveau des recharges. Ok, let's go. On va essayer de casser un maximum de briques. On va essayer de faire un max de shots. On va essayer de faire un pré-shot efficace en masse. Il faut savoir tuer directement le Frankenstein. Ah, dommage. Première défaite en Brawl Ball. Et on est parti en Razed Gem du coup pour essayer notre fameux Brock. Je pense qu'il serait plus adapté pour ce type de mode de jeu. Étant donné que c'est du dégât de contrôle. Ça va être compliqué. On va essayer de casser un maximum de bush. J'ai mal shot. Ok, la Rosa est là-bas dans le bush avec l'Anita. La Rosa est plutôt forte en plus. Ok, on va essayer de faire un maximum de dégâts. On tombe contre des joueurs super doués, je pense. Ok, hop, let's go, c'est parti. On va essayer de chercher la Rosa. C'est parti, on l'a eu, nickel. On va essayer de garder un maximum de gemmes pour nous. On va récupérer un maximum de gemmes. Nickel, on a réussi à tuer. On a la vitesse sur le côté gauche. Et on la tue. Nickel. Ça, ça passe bien. On va attaquer notre super. On va essayer de se défendre. Nickel, je pense que du coup qu'on a trouvé notre type de jeu, notre mode de jeu à jouer avec Brock, qui serait bien facilement le Razia Gem, qui est plutôt très très efficace je trouve. Du coup on va jouer sur le dernier mode qui est le braquage, si c'est bien ça. Le braquage de gem, donc c'est de détruire un maximum, le plus rapidement possible, le coffre adverse. On va essayer de tuer le brawler. Ok, on a déjà tué le bar tabac qui est très efficace en destruction. Ouh, on a failli lancer notre super. J'espère qu'on l'a toujours. Nice, on a toujours notre super. Pour cela, on va essayer de s'avancer un maximum.
Ok, on va essayer de casser un maximum de ses défenses. On va attendre. C'est parti. Le bar tabac en face fait très très mal, je pense. Ok, on a aussi un bar tabac, c'est plutôt bien. Parti. Par contre, nos recharges sont très très lentes. Allez, let's go. Hop. J'espère qu'on va pas mourir. Ok, on a tué 4000 points de vie. J'espère que ça va faire le taf. Allez, on tue. Ouais, nice, on a réussi à tuer du coup le coffre adverse. Ça, c'est plutôt cool. Si le gameplay de Brock t'a plu et ainsi que les autres gameplays des autres brawlers, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à partager à tes amis s'ils n'ont pas encore découvert cette fameuse chaîne. Merci pour ton abonnement et dis-moi déjà un petit peu comment je devrais jouer Dynamite vu que c'est le futur brawler qu'on va réaliser en gameplay. Merci à toi d'avoir suivi jusqu'ici la vidéo et mets un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Je les lis tous et je réponds à tous les commentaires. Et à bientôt les amis. Ciao, ciao.